Bonjour, topé, bonsoir. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Bokolanda biso, en tout cas, na tranche oyo tolingi to partager ensemble longo na bino. Et tolingi to lobela sur trois points vraiment essentiels, n'est-ce pas, na makambozo le ka na mboko nga na bengaka. La République démocratisée du Congo, peuple congolais, comme vous le savez. Alors, on a ligné à épingler, n'est-ce pas, le dossier de Fortuna Bisselé, qui depuis hier, je crois que Bisso Toutoulanda qui est en gros dans son ensemble. Et puis, vous avez suivi hein, le pourquoi, les raisons qui a poussé. Après le scandale, il y a une vidéo à sextape. Il y a Fortuna Bisselé, tout le monde a bimissié directement dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous le dire dans cette émission. Et puis, Toko Meka Kolobela, n'est-ce pas? Dossier à Sassou Nguesso qui a répondu Félix Tshisekedi à partir il y a Rwanda à Kigali et puis la mort de Chérubin Okende en tout cas la nouvelle monsieur Bimeli Bissot il y a Makassi sur ces dossiers il y a Chérubin Okende journal Le Monde il y a France a mis ici quelques révélations naé narotik il a bien opé vidéo boyo kayango bah, piste et ça coûtera ça mais que cette mort est bel et bien confirmée que Outaki la présidence de la République. Alors sans plus tarder peuple congolais Nakubanda d'abord la mois d'hiver à Mouké entre parenthèses sur la garde républicaine. La garde républicaine au Binobuyebi n'a évité ce qui est allé méthode de Bissouba congolais qu'ont inventé à Sika. Réellement, nous avons appris la politique et puis l'entourage à Félix Tshisekedi des abattoirs vraiment bazar au ça la politique parce que ça nous dépasse hein? Ça nous fait aussi la honte des fois Bissou Tousana Libanda Mboka et que nous avons le temps de faire des discussions politiques avec des amis à Bamboka Moussou et puis à Batamboka Oyo. Alors des fois ils nous posent des questions n'est-ce pas en tant que bazar au monde à garde républicaine bazar au temple en plein centre-ville de Kinshasa ils se posent est-ce qu'il y a une guerre. Il y a une tentative de coup d'État. Des fois, nous manquons un peu de justification pour envoyer Bissalongo que non, c'est un exercice. Il se pose des questions. Exercice, marche de santé, de garde républicain, en pleine centre-ville. Pourquoi? Pourquoi cela doit se faire en pleine capitale? Tout comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où ça se prépare, mais dans la coulisse ou bien dans le noir, où tu vas éviter? En tout cas, nous manquons de mots, mais ce qui est grave, c'est que l'exercice ou la marche de santé, il y a garde républicaine, ils ont se multiplié à tout moment. Cela se multiplie. Ils ont se multiplié, ils ont se multiplié. Alors, tu as évité, et le résultat nini bazako lukaba atteinte parce que ce sont des militaires où réellement bazali il y a garde présidentielle qui garde le président et sa famille. Alors batoana bakoki ko intervenir hein? Ils peuvent intervenir en cas de coup d'état ou lingé sa malamboka ou par exemple une rébellion ezeko lingé ko talamboka si l'armée est incapable réellement de résoudre rapidement la solution ou d'intervenir la garde républicaine peut sortir et puis agir. Mais nous avons vu qu'on a acheté des équipements neufs par Félix Antoine Tshilombo pour les gardes républicaines. Alors, est-ce que c'est comme ce que faisait Mobutu à son temps, que garde Moussoussou avait occupé Bango Bienté, ou militaire Moussoussou avait occupé Bango Bienté, et Azaraki a unité na Moro, Bandego Bengamo, unité Moro spéciale, c'est là où il a occupé Salomon Bamindouki, il a occupé Salomon Bilokotou. Est-ce que c'est le cas aussi que Félix Tshisekedi a créé, et que ce qu'on a fait à FABC, on ne sent pas la volonté de Tshilombo d'acheter des matériels de guerre pour l'armée, mais de côté Bango Moko Balaxibisho nous on connaissait pas Bango Moko Balaxibisho dans ma vidéo il y a la garde républicaine na kolaxabino beaucoup mon ango comment est-ce que bazali ko tambola en plein centre-ville avec des armes de guerre. C'est comme si le Congo est en guerre et surtout dans la capitale et que la rébellion est au coup d'état lingé salama pour vivre ces images. Et puis cela se passe plus souvent dans les deux provinces.
ils ont les gars mini dans deux provinces, Kinshasa et Lubumbashi. Kinshasa et Lubumbashi. Je vous propose d'abord la vidéo ya Oyo et Leki na Lubumbashi Botalem. Voilà Bomoni à Lubumbashi. Maintenant, nous avons proposé Bino Botala Oyo Eliki na Kinshasa Lobby Awa ya samedi week-end le Utukoleka Lobby Lobby Oyo Botala Bagade Républicain. Kagame alo balisusu. Kagame afungo la mbangake. Boka ngele biso kagame yo samba na Congo. Kagame yo ko samba na Congo. Kwatia samba na Congo. Oh, bana mboka. O boy facho luki mboka na yo. O simbi fati. O luki mboka na yo. O boy facho luki mboka na yo. Bana pati wangoi. Bana mboka. Mboka na kakame. Mboka beza kakame mboka na yo ko samba na Congo. Kakame na minito alela. A changer discours. Oya bima. Yo bima zibanga yo. Yo 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 kaba kaba yo. Yo bima tena. Bana mboka. Beto. Bana mboka. Beto. Valenda. Mboka nga bango. Kakama ya kosamba wa. Beto. Beto. Voilà, comme vous m'avez fait vidéo, je suis Mawa. Et je Mawa. Je suis grimace, intimidation, faire peur aux gens, peut-être battre la tension. Alors, bon, là, ça, on, le muscle que nous sommes prêts, ce beau mec qui, beaucoup moins, a beaucoup subi, beaucoup de pertes, belé. Ça, ce sont des grimaces parce que guerre n'est des bandits. Mais, ce qu'il faut retenir, un, les libosso, toi, là, ça marche dans le centre-ville, et ça, le machi, et ça, le Kinshasa. Prenons l'exemple, bon, on dit, ma terre de guerre, prenons l'exemple. Si on a massacré mon comme bêta et outil peut-être côté nous on ne sait jamais des fois ils avaient centre ville on ne peut pas tout contrôler massacré c'est bandeau bêta ton bango baso ça la marche de santé avec leurs armes on ne sait pas si il y a des munitions na bandeau qui na bangoana alors ceux qui massacrent comme bêta na quatre centre ville bango bakosani bakozonga na ba caserne na bango
to ba kolinga ba réagir parce que Félix Tshisekedi a Kinshasa bimi 6500 éléments et à garde républicaine au basala qui marche de santé wana. Ce qui m'indique car par exemple on ne sait jamais des fois ma circonstance ma monsieur il y a qu'à tomber papa bango basala m'indique wana ils vont faire quelle réaction. Vous voyez que ça va porter la perte dans le vis humain. Il y a pas Kinois, il y a pas Congolais, même il y a pas Louchois. Donc nous surtout il faut que bato bazako diriger armée bazala en tout cas na mayele ya koyé ba makamu nini toza ko sala les conséquences aussi peut arriver et kozongela banale kozongela population et comme au Congo aussi il y a pas la justice ils vont justifier et les kinango mutu bakufi bakufi na bango bakay perte. C'est ça la réalité du Congo et c'est ce qui fait mal. Deuxièmement, nous avons des problèmes très serrés à l'est du Congo. On a Bounanganda, OCKI, Bounanganda, CKI. Toujours qu'il y a un an et demi, le rebelle du M23, Basali ba Inita Sika, Basali police Nabango, Basali administration Nabango, Bazo contrôlé. Il y a Rutshuru, il y a Kiwanja, il y a Masisi, il y a le territoire belé à Congo. Et ça, il y a récemment ici, il y a plus de 6 villages, il y a toujours un M23. Mais alors, qu'est-ce que fait le gouvernement congolais? Pourquoi une unité spéciale au prix de 6500 éléments tout le monde bah, ça les marche au bah, autant de bah, avec des armes lourdes. Pourquoi on ne les envoie pas au front d'aller récupérer les territoires parce que le Congo est allé menacé. Il y a balkanisation. Mais pourquoi bah, on a bah, affronté pour bah, récupérer Bounangata, bah, récupérer Masisi, bah, récupérer Rutshuru, bah, récupérer bah, Kiwanja. Pourquoi bah, ça a bah, front Kounate? Pourquoi montrer à la population un spectacle inutile, il y a qu'à théoriser Bango, tandis que le vrai problème se trouve à l'est du Congo, au Togo, comment la armée wana akeya que ça la makambwana pour nako renverser Bango na baza ba côté la mission na kata Congo. Le porte-parole de l'armée hier dit que non et ils attendent si le Rwanda a coti officiellement bah ça la réponse vigoureuse. Mais réponse vigoureuse tandis que les Rwandais sont déjà dans le sol congolais à travers Bango M23. Bon, il y a bibino non surtout. Des fois, il y a plusieurs communiqués bien besoin que ça que les Rwandais les M23 besoin qui supportent à Rwanda, les officiers rwandais, ben qui kokota na sima M23 pour n'avoir attaqué Congo. Mais vous ne faites rien. C'est maintenant que besoin parce que non ce qui les Rwandais côté tout ça là. Non, faut pas tromper la population. Tout ce que vous nous montrez à Kinshasa et à Lubumbashi, prenez ces éléments, envoyez-les au front, récupérons nos territoires s'ils sont vraiment forts. Parce que aussi, Mamindou qui kotambo na balabala, avec la théorie qu'on a appris à l'école ou même pratique qu'on a appris à l'école, et quand le front commence, c'est deux choses différentes. Yango balobara même mutatangi na classe, mais on les a théorie pratiquer c'est que tangi, c'est là où on va comprendre que non, on doit maîtriser et le quoi nous tangi. Donc tout ce qu'ils ont démontré là, ils enregistrent au banque sabato, faire peur aux autres, et intimidation inutile. En réalité, vrai problème, c'est à l'est de la paix, du pays. À même temps aussi, Nabandonduka Kapeme Niwana. Il y a aussi un problème de ceux qui bondoro, ceux qui bananiwana, basali qui attaquer ba village, basali insécurité totale. On n'arrive pas à maîtriser la sécurité. Mais nous, on vient, on fait des spectacles dans la ville. On montre aux gens que nous avons l'armée, nous avons des munitions, nous avons acheté des matériels neufs. Tout ça, c'est l'aventure de Mutoyo à se préparer qui, parallèlement, pour devenir président avec son chef d'état-major, Christian Tshiwewe. Depuis Babotola village, Tilelo, il n'a pas sorti un plan de guerre pour nous la contre-offensive, récupérer des territoires. Jean-Pierre Bemba, qu'on a cru, je vois une vidéo comment on voit ici, que Bemba a coupé ça. Il donne quoi? Il donne des brevets naba officiers, ceux qui six officiers à Sikabasi, six formations naba une école y a armée. Tout ça, c'est l'aventure. Et Bemba qu'on avait écrit qu'il a une solution. Et Christian Tshiwewe qu'on avait écrit qu'il a une solution. Bah on a surtout bah ils ont et là on aurait bougé dans le Congo ils étaient toujours pour tourner à rond et à rond. Grave mes frères. Pour Vandy Boye, ma photo est sur qui est et chez Makelele ah ça s'ouvre soit Kenam. Na Rwanda que ça s'ouvre sous paf les images avec décoration bah décoré ça s'ouvre sous ça fait la panique.
des côtés des bateaux tombés à bataliment, bah fatigant, bah on va dire ah ça soit trahir biso, ah ça soue, ah bah il est tout ça, ça soue avec le problème que nous avons réellement au Congo, eh, ça soue, ça soue. Ah, bande konangai, ça soue nous a trahi comment? Ou c'est nous-mêmes et Tshilombo, parce que je dirais pas les Congolais dans son ensemble, c'est Tshilombo qui ne maîtrise pas la politique, qui ne connaît rien, là où il est, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est parti, il continue de marcher partout dans le monde. C'est lui, chaque fin du mois, à Kenara Brazzaville, une à deux fois. Comment Sassou nous a trahi? Sassou ne nous a pas trahi. Si Sassou a trahi quelqu'un, Sassou a trahi un individu qui s'appelle Antoine Tshilombo Félix. Il n'a pas trahi le Congo parce que Batutu Bayebi n'est pas qu'à Kabila. Leur relation était un peu, pas timide, mais était de respect mutuel. Kabila restait dans son coin. Sassou était dans son coin. S'il y a des choses à discuter, il se rencontre et discute. Mais chacun garde sa bande. Moutemoutaza la bande naïe. Et Kabila prenait soin de sa bande. Il était moins âgé que Sassou. Mais sa Kabila ne s'est pas laissé faire, laissé intimider par Sassou Nguesso. Donc ça dit, si on regarde structure au Kabila Zaki Nango, même si on les appelle les anciens Mobutistes, ce sont des gens réellement formés dans la politique, qui maîtrisent l'art politique, qui maîtrisent la diplomatie internationale, qui maîtrisent comment traiter avec des pays voisins. Voilà le pourquoi Kabila était respecté quand il faisait, en tout cas, sortir Moro dans les pays voisins. Il était plus respecté parce que lui-même, il s'est respecté. Mais si on regarde Tshilombo, lui-même ne se respecte pas d'abord. Il ne se respecte pas d'abord. Chaque mois, à Kenara Brazzaville, une ou deux fois. Mais comment on, c'est-à-dire, Brazzaville, comme le Rwanda, qu'on a eu. Ça soit son monnaie, le Rwanda, moi, on a eu mon gobo, et donc tout ça. Donc, il paye, hein, aïe, Simbien, la mapeka, boy, banine, tout ça. Allez, azotambo, ça, azola, qui sait, banine. Tout le monde, tu l'envoies à Brazzaville. Il part faire le quoi là-bas. Il y a mon gobo, il m'a ramagé dans le salon. Maintenant, vous croyez que. Avec la sous-région, le pays où on est à Grand Lac, bonjour quand ça va fixe central où on est Tuzali, qui bat tout à Sepelara, Congo est à la fort. Vous ne savez pas quand le Congo, à l'époque du maréchal Mobutu est à la qui fort, comment tous ces pays souffraient, comment tous ces pays ne murmuraient pas, ne parlaient même pas. Ils avaient peur à l'époque Mobutu. La faiblesse du Congo, nous devons savoir cela, fait une. Je dirais quoi, fait la joie, le bonheur, il y a majorité à ma pays voisin. Quand le Congo est faible, l'Angola se réjouit. Quand le Congo est faible, le Congo Brazzaville se réjouit. Quand le Congo est faible, Centrafrique un peu, Sud-Soudan un peu, paix un peu se réjouit, le Rwanda se réjouit, l'Ouganda se réjouit, la Tanzanie se réjouit, la Zambie se réjouit. Batouana tout ba se pelaka na faiblesse ya Congo. Mais si on est fort, ba Burundi, ba Burundi wana, ba Namibi, tous, ba sa ko se réjouit, biso tous à la faible, comme ça faiblesse na biso, et ils peuvent profiter de voler les matières premières, de piller de ressources naturelles du Congo. Mais tant que le Congo est debout, ils vont rentrer par quel chemin? Ba ko ko tanzela nini, pour que bango ba ya ko yiba matière à Congo. Ce qui est aux fort, comme à l'époque du maréchal Mobutu. Voilà le pourquoi tous ces mondes-là se réjouissent. Ils sont contents que nous puissions rester dans la même situation que nous avons, dans la même situation que nous avons traversée, afin que nous puissions nous abonner à la Congo. Mais, exemple à Sassou, vous avez vu que Sassou, est-ce que vous oubliez que Félix Tshisekedi aussi part à Angola plusieurs fois? Il part à Angola chaque fois. Je ne sais pas si en Angola, dans Brazzaville, il y a moi une ou deux fois. En Angola, il y a un espace, il y a un ou deux mois, il y a une fois. En Angola. Il a fait aussi des journaux Lorenzo sur son ami. Parce qu'il a peur que tu vas côté partir d'Angola, il y a une rébellion. Il y a encore Angola, si tu vas côté à côté, on est facile à atteindre Kinshasa. Voilà le pourquoi il a fait la confiance en Angola. Mais est-ce que João Lorenzo joue réellement la diplomatie sincère avec Félix Tshisekedi et avec le Rwanda? Combien de sommets Oyo, Babengisa, Lorenzo Babengisa na Angola pour réconcilier Félix Tshisekedi et Kagame. Combien de réunions? Combien de accords ils ont même signé en Angola pour la cessation des hostilités et l'avancée du mouvement M23 soutenu par le Rwanda? Quel est le résultat?
quelle est la solution. Non, le grand problème ba congolais sengeli boyeba, vous avez à la tête du pays un monsieur qui n'a pas encore compris qu'est-ce que le monde international, qu'est-ce que la diplomatie internationale, qu'est-ce que la relation internationale, la relation entre États. Sassou, à travers son voyage de du Rwanda, a l'acquisimino clairement. D'ailleurs, avant Sassou, il y a eu quelque chose où les Kakiawa, où Lorenzo a ébissé Kibino. Bah, Congolais, parce que les Congolais pensaient que l'Angola a joué à Bundela RDC. L'Angola vous a dit clairement que non, on a eu pour la Bundela bah, Congolais, on a eu pour ça l'appel pour la zone tampon. Non, zone tampon, mais il est aussi venu pour voler parce que nous sommes faibles pour le moment. Mais tant que l'Angola y est, bah, tout ni Lorenzo Abino, moi ce que je vois pour trouver bien la solution du Congo, il faut que Félix Tshisekedi rencontre son homologue, il faut qu'il y ait un dialogue. Ça c'était Lorenzo. Mais Sassou Nguesso au Rwanda là-bas, va bah, éviter mais va bah, tourner parce que mon monde dans réseau est rapide. Bah tout va monique, bah toi ça aussi la réaction n'a arrivé na yé na ba médaille yo Kagame a décoré. Écoutez d'abord la réponse de Sassou Nguesso. À une certaine opinion critique des accords entre les deux pays, Denis Sassou Nguesso n'est pas passé par quatre chemins. Pour lui, ses détracteurs ne comprennent pas le sens des rapports entre États. Il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Réponse de Sassou Nguesso. Voilà. Boyoki réponse à Sassou Nguesso. Boyoki Sassou Nguesso. Abi, il y a des gens qu'on peut faire comprendre, il y a des gens qu'on ne fait pas faire comprendre, peut-être ils vont comprendre plus tard. Bah ton chouchou, bah pour y croire, bah ma famille les a pour ça là, bah mes chouchous, pourquoi je n'ai pas le temps pour expliquer, bah on va comprendre été, peut-être bah on comprendre bino après les années, le temps après, parce que maïele les a kakoko kanate. C'était un jeu envers Félix Tshisekedi les fatigants, ça soit fini bino, que non pour comprendre de politique été, non pour comprendre de diplomatie été. Des relations entre États, c'est des relations des intérêts, et non des relations des amitiés, des fanatiques, des trucs de père et de fils. Des relations entre pays, c'est des relations entre États et des relations des intérêts. Sassou, au Rwanda, il a des intérêts. Si vous avez la bonne mémoire, Sassou a accordé des hectares aux Rwandais de cultiver dans Rwanda, et ça même coûte pémen ya Congo. Si vous avez la bonne mémoire, il y a beaucoup de Rwandais aujourd'hui au Congo Brazzaville, où il y a la nationalité, il y a Congo, des Rwandais dans le Congo Brazzaville. Si vous avez la bonne mémoire, beaucoup de Rwandais travaillent même dans le cabinet ou même dans le service de Sassou Nguesso. Ils sont nombreux là-bas au Congo Brazzaville, si vous ne le savez pas. Sassou vous démontre que lui, il a ses relations différentes par rapport à Obino Bozako Lobana Kinshasa, Obino Bozako Kanisa avec le Rwanda. Il a ses relations différentes. C'est vous qui êtes agité, c'est vous qui n'avez pas encore compris le monde international et la diplomatie. C'est ici le temps de Félix Tshisekedi d'apprendre ce qu'on appelle par la diplomatie internationale et des relations entre États, des relations entre chefs d'État. Il a pris le temps, il a passé 4 ans et demi à la tête du pays, dans quelques mois, mandat à Isaac aussi. Là. Félix Tshisekedi n'a pas pris le temps d'apprendre. Kabila était venu au pouvoir. Il ne connaissait ni pas les... Bon, il ne parlait pas bien le français, il ne parlait pas bien vraiment l'anglais, il ne connaissait réellement rien de la politique. On connaît les vidéos de Kabila. Mututu a mona yango. Tango a commis le pouvoir. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Il a pris son temps d'apprendre. Il a pris le temps, Yakotanga. Il a appris. Et Lelo a commis le cola. Mutumogoboy a maîtrisé le monde, la politique. Mais ce n'est pas le cas de Félix. Tous les week-ends, il passe son temps à boire l'alcool,
à fumer, à danser, à faire de n'importe quoi la présidence, avec des ambiances partout. Alors, Moutaza même n'a pas autant à ta livreté pour apprendre des connaissances. Pourquoi vous pouvez acquiser ça? Le problème, vous devez acquiser votre président parce qu'il ne maîtrise absolument rien. Il ne maîtrise absolument rien de la diplomatie. Et puis, vous devez savoir, si il y a une relation, en tout cas amicale ou fraternelle, on ne sait jamais, entre Sassou et Kagame, qu'est-ce que vous pouvez tirer de la relation? Qu'est-ce que vous pouvez tirer? En conclusion, on peut dire, avec l'analyse vraiment approfondie, on peut soupçonner qu'il y a des choses que le Rwanda peut voler, qui transite vers le Congo-Brazzaville, parce qu'on a aussi des frontières. Le Congo-Brazzaville a une frontière avec le Rwanda, comme la RDC aussi a une frontière avec le Rwanda et le Brazzaville. Alors, mais il y a des coins où il y a RDC, Tikali, et Zali, Brazza, Rwanda. Alors, qui veut dire qu'il y a des choses, et qu'il y a où ta Congo peut transiter Brazzaville avec comme à Kigali. Peut-être aussi il y a des biens que Sassou, plutôt Kagame peut voler, et puis donne cela à Sassou. Un peu. Peut-être c'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas de relation amicale juste pour avoir une amitié. Des relations existent pour des intérêts entre États, entre président et président. Alors, cette approche de Sassou, avec les images que nous avons vues, ça doit nous interpeller et de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Pour les lotus, nous avons dit qu'il y a la guerre dans le Rwanda, nous avons ce qu'il me dit, je ne sais pas si comment ils vont faire cette guerre. Parce que vous devez d'abord savoir qui sont nos ennemis et qui sont nos amis. Si vous regardez aujourd'hui l'Afrique centrale, qui est l'ami du Congo, de la RDC? Qui est l'ami de la RDC aujourd'hui? Citez-moi un pays où vous pouvez dire que, oh yo, vraiment, bah, pire biso. Vous avez vu Brazzaville que vous considérez, et le Basalibino, qui? Angola? Quel pays? Je crois que ça doit apprendre à Félix Tshisekedi. En tout cas, n'est-ce pas, comme on dit, peuple congolais, la diplomatie. Alors, dossier Chérubin Okende. Dossier Chérubin Okende. D'abord, l'ambassade de la RDC au Rwanda est toujours fonctionnelle. Va déménager Bisika Bazalaki parce que Bisika Bazalaki est plus proche de Kagame. Alors, on m'a dit que va déménager à quel côté. Et puis, la femme là du Rwanda qui était ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Luis Mushikiwabo, Azakoya Kinshasa, n'a pas engagé la francophonie parce que vous avez dit que Kagame avait imposé à la France. Va nommer Luis Mushikiwabo comme secrétaire général il y a francophonie et puis Salamande Ngwana, c'est elle qui dirige la francophonie aujourd'hui. Azakoya le collège à francophonie Zana Kinshasa la nuit ce qui est musique il y a francophonie Luis Mushikiwabo pe akoya na Congo et l'ambassade du Congo de la RDC au Rwanda est fonctionnelle. Donc pour dire que des fois on nous manipule pour rien peuple congolais parce que des relations existent parce que si réellement nous congolais relations à société. Alors, l'ambassade, on avait renvoyé l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Je crois que beaucoup de gens me disent qu'on n'a plus l'ambassadeur au Rwanda, mais l'ambassade existe, l'ambassade est fonctionnelle. Il y a un communiqué dans la Xabino. L'ambassade est fonctionnelle et l'ambassade existe et travaille. Alors, dites-moi, qu'est-ce que nous faisons avec le Rwanda encore? Parce que nous avons vu que tant diplomatiquement, ou bien ma relation est comme Imabe, Félix Tshisekedi avait fermé des frontières, coupé des relations avec Bélé na Kigali. Mais comment se fait-il l'ambassadeur ou l'ambassade du Congo continue d'exister au Rwanda, continue d'opérer, de fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? Qui trompe qui? Si réellement on a des conflits, même on dit le jeu de la francophonie, aujourd'hui, si l'Ukraine, il y a quelque chose qui s'organise dans le monde, et que la présence de la Russie et Gozanabajiwana, l'Ukraine va boycotter cela. L'Ukraine a boycotté, a belle la kenon, bolingi bisote, tala Russie a attaqué bisote, la Russie a sala boy. Comment beaucoup bien que ça Russie n'abaje banine tout ça. Mais nous avons le problème très sérieux avec le Rwanda. Nous Congolais, nous avons déploré tous les jours que le Rwanda nous attaque. Mais comment le Rwanda va venir au Congo au jeu de la francophonie? Et Luis Mushikiwabo pas à côté de Manaye, pas lobby, pas un mot, nager à francophonie.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une crise qui existe réellement entre le Congo et la RDC. Beaucoup de gens vont me dire, oh, on est dans un cadre. Non, je vous dis, la Coupe du Monde où tu colles, qui a boycotté que Richako participait dans la Coupe du Monde à cause d'attaquer l'Ukraine. C'était l'ensemble de l'Union Européenne, mais en premier c'était l'Ukraine qui a boycotté. Les musiciens, même les athlètes à la Russie, même les génies, même les génies, ils ont boycotté. Toujours l'Ukraine qui s'oppose à cela. Mais chez nous, les Rwandais vont. Je ne sais pas s'ils sont venus déjà au jeu de la Franconie, sur Bazawana. En même temps, c'est le Rwanda, la femme du Chimichoba. Alors dites aux Congolais la vérité qu'il n'y a pas un conflit. C'est juste tromper l'œil. Parce que Chilombo cherche un deuxième mandat, tirer l'attention des Congolais pour dire que je combats vraiment le Rwanda. En réalité, il ne combat pas le Rwanda. Il veut attirer la sympathie des Congolais pour qu'il va passer un deuxième mandat, soi-disant qu'il va faire la guerre avec le Rwanda. C'est du mensonge et c'est de la manipulation. Détrompez-vous, ce monsieur Chilombo est très dangereux. Alors, je vous disais dans le dossier à notre aîné Chérubin Okende, il y a des révélations au Ebimina journal Le Monde, journal Moko réellement en France, mes amis. Bah journal Moko, il y a comment je peux dire, bah journal Moko en tout cas crédible en France. Et Ebimisi a révélation sur la mort de Chérubin Okende. À travers les révélations, bah le Bina Bisso qui Chérubin Okende avec un témoin clé dans ce dossier était bel et bien présent na parking ya cour consonnelle à 16h juste. Retenez très bien, Chérubin Okende est bel et bien arrivé au parking de la cour consonnelle à 16h juste. Et avec le témoignage, il y a crédible, n'est-ce pas, il y a Moutouana témoigné, à l'objet que quand Chérubin Avandaki garde quand il y a Kota qui n'est pas garde, il est parti déposer, en tout cas, lettre pour reporter. Invitation à eux. Il y a eu des gens au Babimela qui est bien armé. Bien armé, ils avaient des armes. Et en connaissant aujourd'hui le Congo, il dit ah, n'a pas résisté parce que je ne connais pas bien ces gens. Chérubin Okende les a suivis. Et tant que Yemurazaki n'a volant à eux, pour la Kobim Saïna, on a parking à cour consonnelle. Dès que Babimi a parking à cour consonnelle, ils ont un jeep qui est Pembe et stationné qui est Pembe. Et le jeep qui est tout à l'heure, il y a un élevage qui est Salomon Kalunda, il y a un élevage qui est Franck Diongo, il y a un élevage qui est un demi-ap. Tant que Babimi, il y a un jeep qui est Pembe à Kiti, à Mati, il y a un Chérubin Okende, il y a un qui est. Et après, tu as retrouvé Azali Yakoukoufa. Et à travers encore des révélations et les montres, la femme, Balingay Bako, c'est la secrétaire générale il y a Ensemble Makambo. Or, le secrétaire général et Ensemble, Azali qui est informé à partir de 18h quelque par garde-corps et Chérubin Okende. Na moi, c'est Chérubin Okende. Oh, bah, comment qui tinanda qu'on a pour informer que Chérubin Azomon Anate. Bango bazolo bagade mais comment garde oyo ayebi ke chéri bazomo raté akosa la kaba démarche wana ya kotambusa ka mwasi naye partout. Et troisième personne manyala lo bazali ki Peter Chani. Madame Peter Chani a expliqué clairement que non. En tout cas, tweet pour na modifier ngo za pasimique. Tweet wana bango bazako lo bakia modifier, soki botali ba R, soko tali boy, c'est compliqué de modifier tweet d'ailleurs soki mta déjà au commun na mo banine au tweeté batuming basala ka capture écran. Donc, tu te rends pas bien, bako c'est les makambo, ezali yalokuta. En réalité, ce que tu zongi mozundo, nous pouvons faire comprendre aux gens ici que la mort de Chérubin Okende, c'est comme la mort de Delphin Kayimbi. Si vous avez la bonne mémoire, Delphin Kayimbi était chez lui. Delphin Kayimbi s'est opposé à voir Ouazaki ambassadeur Karega. Vincent Karega, comme étant ambassadeur à Rwanda na Congo, il a informé Félix Tshisekedi. Tala moutoboui, tokeba. Félix n'a pas voulu écouter Chérubin Okende. Il est plutôt Delphin Kayimbi. À la fin de compte, comme il y avait une pression, oh non, Delphin Kayimbi a surveillé le mouvement là-bas trop.
l'oncle de Félix Tshisekedi, quoi, comment qui responsable de la maison civile Luana, a joué ce qui n'a pas garde garde présidentielle ou ma garde ce qui a maison et chef de l'État Luana, bah Kéiti na résidence il y a Delphine Kayimbi qui était chez lui, bah joué Delphine Kayimbi, bah bien oh non, toqué boyer chef de l'État l'inga sur la live. C'est le défunt Kayimba Kenda, Azonga, Yakokoufa, Baltouna Batou. Oh non, tu comprends, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. Si on n'a pas des enquêtes, la famille a demandé des enquêtes, il y a trop de menaces. Je vous assure et je vous informe aujourd'hui encore que la femme de défunt Kayimbi ne quitte pas le pays. Vous évitez. Abimansou Mbokate, Félix Tshisekedi, à côté de ça, dans la résidence surveillée. Bazali surveillé 24 heures sur 24 heures. Balinga raté ba bima libanda po par peur ba meka ko dénoncer la mort ya Delphine Kayimbi. Vient le tour, n'est-ce pas, ya Juge Yani. Juge Yani est mort comment? Comment est mort le Juge Yani? Le Juge Yani accueilli na ba dossier ya dossier à 100 jours. Il le présente devant la présidence. Ya Félix Tshisekedi. À la qui s'y est dossier à 100 jours, à lui s'y est dossier à 100 jours, yango, nan sa juge, avec la connaissance de la matière, du métier. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il est impossible dans ce dossier de condamner Vital Kamerhe. Parce que si on condamne Kamerhe, ça va faire que Yopé Président Ozala Nakati a dossier Oyo. Si je n'ai expliqué clair que le directeur de cabinet agit sous la direction du président. Il signe le document, mais sous tutelle. Il engage quelque chose avec l'aval du président de la République. Surtout qu'il y a Zali plus proche à président. Donc si, disons la vérité, comment s'appelle Vital Kamerhe, à Kenda qui tient la banque centrale, à Bimisiba, millions de dollars, sans que Oyeba. Et tu, c'est une faiblesse. Il y a présidence na yo, et ali manque à contrôle, il y a organisation, il y a cabinet na yo. Et puis c'est vraiment quelque chose qui va nous faire la honte au Congo ba yo ka ke non, le président a contrôlé ka directeur de cabinet na été. Et puis plus grave encore, ce qui te lobi que to condamné Kamerhe, to tangi kombo na yote, et ni ba ke non, Kamerhe était déjà prêt à te faire un coup d'état. Avoyez que ça le même coup d'état parce que comment directeur de cabinet a un accès à Bakambutu, président est bagaté. Donc il peut se lever un bon matin, mettre un coup d'état. Alors ceux qui n'ont réellement pas vraiment informé, chef de l'État, tu dois prendre réellement des responsabilités contre Kamerhe parce que tu es en danger. Il y a autant de temps où le juge Yani a tel ici, le dossier, on a tout. Je comprends qui met. Leur volonté, leur souhait était déjà que Kamerhe doit être condamné. Il faut Kamerhe azala condamné. Finir politiquement Vital Kamerhe. C'est ça leur souhait. C'est ça ce qu'ils voulaient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils amènent le juge Yani quelque part parce que par peur que le juge Yani s'est opposé à condamner Kamerhe. Parce qu'il va bêtier sur bêtier le connin à Moutou. Ben il liquide. On nous avait dit que c'était Joseph Kabila. Parce que la mort de Delphine Kayimbi, et ils ont avancé les arguments que c'était Kabila. La mort de Juge Yani, ils ont dit que c'était Kamerhe, sans même compter où est le cas de la présidence, pour y aller, pour faire la présidence sans enquête. Il y a toujours Kabila. Mais il y a toujours Kabila, il y a toujours le pouvoir. Et puis, il y a le pouvoir. Sauf que ça a été la banquette. Pour qu'il s'agit de démontrer que non, ce n'est pas nous, c'est Kabila qui fait ça. Démontrez-nous, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Tout le monde a banquette, tout le monde est de côté. Juge Yani Akenda, la famille de Juge Yani, je récite les appels de ses frères. Ma cotisa, ma dossier, tina présidence, ma lettre Zali. Ils ont imploré à Félix Tshisekedi de faire la lumière sur ce dossier. Jusqu'aujourd'hui, pas de réponse. Et même les enfants de Juge Yani, mes frères, les lots Oyo bas abandonné. Bas on a sous tout bas solde. Y a papa na bango tabande à servir l'État. Le risque même banda wande kovanda bas longo la bango sur pendengeni.
Est-ce que vous avez les enquêtes de Jujian? Non. Et maintenant, vers le tour de Chéribé en Kende, Bazako Mata, Bazako Kita, oh, garde des cornes. Non. C'est la pire aventure autre qui a existé avec amateurisme au Félix Tshisekedi d'Azakosa. Ils ont bel et bien planifié la mort de Chéribé Okende. Je vous dis encore, mes frères, la Cour constitutionnelle du Congo ne peut pas manquer de caméras de surveillance na Katito na Libanda na Yango. La Cour ne peut pas le manquer parce que c'est un risque. Ils ont un droit, surtout dans la Cour constitutionnelle, ils ont un droit plus élevé, institution plus élevée à l'État. Parce qu'ils ont une caméra de surveillance, c'est dans le monde à l'élo. Parce qu'ils ont un côté. Mais en face d'eux, il y a Sep Congo qui est en face d'eux. Sep Congo a des caméras. Ils sont partis là-bas, dans le Sep Congo. Ils ont mis la caméra, voilà tout. Pour la base, ils ont élémenté. Alors, Peter Kazadi a dit. Basengaki na fille du sud na Belgique na France des États-Unis batine la robe enquêteur, tout ça c'est de la manipulation. C'est le scroquerie de traces ezakoye bana parce que Katumbi ne lâchera pas cette affaire. De trompez-vous. Katumbi a otik affaire oté. Akolandelango malembe malembe bokoyo kakaka mikoleko ya bakombo ya batobele ko bima. Ba vitoyo e ko bima. Ce n'est que le début de choses. C'est lui qui a tué Chéribé Okende. Si je vois très bien, je peux dire même, je ne sais pas si en personne ça peut être lui-même Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a un problème de l'autre côté dans l'accès qui vient dans la vidéo. Il y a vente, il y a cannabis, il y a Diamba, Balingi Bassa, il y a Boukanga à Londres. Il y a l'autre côté, tout le monde qui verse, ce qui a 150 millions de dollars. Il y a trop de trucs où il y a Katuana. Alors, sur le côté Muzindo, je ne me pose pas la question. Est-ce que ce n'est pas lui-même Félix Tshisekedi en personne ou a exécuté Chéribé Okende? Mais un jour, la vérité finira par triompher. Nenge bobanda ko le la liwa ya balubalu ba liwa ya Chébéa, lelo toza na Chéribé Okende ou est collé Félix Tshisekedi. Un jour ou tôt tard, la justice sera demandée pour la liwa ya Chéribé Okende. Alors, na kotanga la bino et puis aussi quelque chose awa. Sur la mort de Chéribé Okende, moi, bah, tout mon robot est toujours à voir sur cette mort de Chéribé Okende. Et la routine que la bino, bon, on a dans nos vidéos, il y a des bossos. Oh, il y a Journal Le Monde. Bonsoir à tous. Comme nous avions promis de vous mettre au parfum de l'actualité en rapport avec l'assassinat de l'opposant Chéribé Okende en République démocratique du Congo, nous revenons encore pour vous dire qu'il y a encore de nouveaux éléments qui viennent d'être mis à la disposition du public. Les éléments publiés par le journal Le Monde. Vous savez, le journal Le Monde, c'est l'un des médias français les plus crédibles qui vient de publier une partie des investigations qu'eux ont menées en rapport avec l'assassinat de Chéribé Okende. Ils disent ceci, ils sont rentrés en contact avec une personne qui fait partie des témoins, qui est un garçon qui a l'habitude de nettoyer, de laver les voitures au sein de la Cour constitutionnelle. Ce garçon leur a dit ceci. Chéribé Okende, effectivement, à 16h, était dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Comme vous allez voir dans certaines captures que je vais mettre ça par-ci, par-là, il était dans l'enceinte. Pendant que son chauffeur était absent de la voiture, il y a des gens armés, en civil, qui sont arrivés et qui lui ont demandé de les suivre. Il y a d'autres qui sont rentrés dans sa voiture. Et une fois qu'il est sorti de la cour constitutionnelle, à quelques pas, il y avait une Jeep blanche Land Cruiser garée. L'un des agents a pris son volant et lui est rentré derrière dans sa voiture et sont partis dans une destination inconnue. Ça, c'est selon les investigations du journal Le Monde. Hein. Ça ne vient pas de moi. Toujours le journal Le Monde qui signale que Chéribé Okende, selon sa femme, n'a jamais mis une ceinture de sécurité. Mais à la grande surprise, on l'a retrouvé dans sa voiture avec la ceinture de sécurité. Donc, cela prouve à suffisant qu'il n'était pas dans la voiture quand il a été tué. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, toujours le journal Le Monde signale que Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi, signale que le corps de Chéribé Okende a été retrouvé. Sur son pantalon, il y avait de la boue, il y avait du sable, pour démontrer que il a connu des sévices avant d'être tué. Donc, ça, ce sont les nouveaux éléments que nous avions reçus du journal Le Monde. Et de Peter Tshani,
que l'on accusait par certains que d'avoir tweeté à 14 heures avant l'enlèvement de Cherubin Kendé. Peter Tchouli dit ceci, que avec Twitter, vous ne modifiez pas le tweet 30 minutes après 30 minutes ou après une heure du temps. Et lui, Peter Tchouli, a modifié son tweet. Il était 21h de mercredi. S'il a modifié son tweet, il était 21h. Ça veut dire qu'il n'a jamais tweeté à 14h. Donc, ceux-là qui ont voulu faire ce montage, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu le faire. Nous n'en savons rien. On accusait M. Bolenge Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, d'avoir aussi tweeté. Bolenge Tengue dit que lui, il a reçu la nouvelle à 18h30 quand la femme de Chérubin est arrivée chez lui ainsi que son garde du corps. Donc, voici un peu les nouveautés dans cette actualité. Nous continuons à investir. Voilà, je crois que vous avez dit. Avant, nous avons une deuxième vidéo. Nous avons voilà, na tiki na bo kasusu ndeko mususu pe ndenga za ko expliquer banani oyo babomili susu Chérubin Okende na régime Félix Tshisekedi boyokai dake mama Marie pora nini alobi bakasaye babomili Chérubin Okende mais premier kasaye boma mulumumba se papa change Tshisekedi soko soko balobi kasaye ozo boya pora nini soko balobi kasaye. Ce n'est pas un Kassaïen. Le monde est un professeur. Il est un Kassaïen. Si vous avez un banane, un Kassaïen. C'est ce que nous avons un professeur. Kassaïen. Vous avez un Kassaïen. Le président de la Cour constitutionnelle. Vous avez un Kassaïen. 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 Si vous avez changé le Kassaïen dans la province, vous avez un Kassaïen. Je ne comprends rien. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez un tribalisme. Justice, progrès, vous avez un monade. Oh, nous, c'est que vous avez un monade. Progrès, vous avez un monade. Un homme, vous avez un monade. Tribalisme, vous avez un monade. Un acharnement contre le monade. Cinq mobimba. Oh, vous avez un monade. Vous avez un monade. Vous avez un monade. Vous avez un Daniel Saf. Salam Okalo. Lelo, Chérubin Okende. Donc le bango nyoso yo banlèvement salamaki moi je dois tomber dans l'enlèvement bango mais yeko tomber que muto o bino banlève a kufit de reverser nyoso nyoso za na muto na bino koza maloba pe ya Félix na le bomba na mbujimai yango bozo te vie te bizo te yebi déjà après maloba na ya pesa qu'il y a go après message na ya pesa qu'il y a permission bo bande na bino ko bom premier message te toza wana to koloba bo bo makaka. Ma prison à l'obagéto, netto n'a prometté. Ma belle père à l'obagéto, netto n'a n'a n'a. Mais, à ta batika le batumi balai. Par comment a fait le tigre n'a zoki manamboka. Par comment a fait le tigre n'a zoki pour pouvoir à gay, batigali yole. Merci. Voilà, merci beaucoup, peuple congolais. Je crois que cette affaire, jusqu'à ce que lumière et vous allez à Kobima, ne yango eko tikama. Alors, on peut. N'est-ce pas, Tokotana nous a dossier à Yamutoyo, ya Fortina Bisselele, alias Bifor. Bisselele, le peuple congolais, bah tout tout bah mon acquis. Nous tous on a vu que Bisselele a été arrêté après juste l'interview. Oh bah tout tout bah mona, oh bah tout toyebi. Interview oh yo et ça là qui m'a marqué justement parce que. Il paraît, hein, que le monsieur ici, Fortina Bisselele, avait manqué la déontologie, l'éthique du travail, a révélé qu'il m'a cambo et biso tout monde qui très dangereux à Kolobake. Non, Félix Tshisekedi n'avait pas de calendrier de l'adresse, ça c'est vrai, bah tout bah il bien au la calendrier adressité. Mais il a avancé plus loin que Félix Tshisekedi, bah yokanana Kagame, lui d'abord il a fait plusieurs voyages au Rwanda. Pour harmoniser cet amour et relation, il y a Félix Tshisekedi na Kagame. Même Félix Tshisekedi en allant jusqu'à proposer le vente de minerais, il y a Congo, na Rwanda, pour que le Rwanda aya kanaba naba coopérant aya kanaba to baza ko luka ba minerais, ba teka kabaka bola ka bénéfice na Félix Tshisekedi. C'est Bisselele qui a révélé ça et ça a donné la panique. Ah, Bisselele, ah, papa, papa. Et puis après le temps, Bisselele a été arrêté. Beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi on l'arrête? Il n'a dit que la vérité.
Pourquoi Bakanye? Bon, tu as dit que tu as dit que tu as Bisselele, oh, bon, pas sa liberté provisoire, non. Oh, Kima, le roi François Beyakima, oh, bon, pas sa rien. Oh, bon, pas sa mais de quoi il passe, il est. Je crois qu'il a, il était passé une fois devant le juge, ben, on a gagné un balamon comme Bamon Batindi et Namakaya. De quoi on l'a arrêté? Il est l'autre bisou, on peut te. Oh non, on est pour ça la coup, on a préparé un coup d'état contre le président. Ah, mais ma cambounine, on a la justice, on a un capé. Rien. La bécherelle. Ah. Bon, pèse liberté, rien. Bon, pèse liberté, rien. Ti, tu es oh non, François, Fontina bécherelle. Allez, comme il compliqué ma crise, comme il a la moutali bomba, la prison makala. Il n'y avait pas le choix, bah, le mollet, la prison makala. Batindié. Na centre de santé sur Kinganda, sur Yuapina Kinshasa, le roi Basara Kamer. De là où il était, il commence à demander ah, bon, pèse la liberté, bon, pèse. Rien, on ne le donne pas. Subitement, hier, tu vas dire, tu as dit, trois vidéos, Bimi. Oh, mais des vidéos vraiment graves. Ma vidéo, on a dit, Bimi Siango, Fortuna Bichelele. Bah, tu me souviens, non. Ma vidéo on a mis la demi parce que moi aussi je vous ai dit si parce que ma vidéo on a battu ma kanga Fortuna Bisselelo tant ma kanga kaye bangonde ma boto la téléphone et tant ma boto la téléphone je crois que ba obligé yé à chaque code de téléphone là ba dévrouiller téléphone wana donc ça dit ba kotaka mozindo ya kotanga ba message na yé ba WhatsApp na yé ba biloko na yé tout c'est là où ils ont découvert. La vidéo, il y a Fortuna Bisselele, il y a Mitakala, Mitakala. Je dis que c'est un demi-heure pour Bassaliam. Ah, mais tout le monde a avancé que non, il y a un conflit qui existe entre Bamona Bango Bazar et la présidence. Je sentir que Félix Tshisekedi a demandé de promettre Abimisa Bisselele pour atteindre l'ambassadeur en Afrique du Sud. Pour vous dire que Moulaja ou Azakuna en Afrique du Sud, si l'Afrique est en Afrique, parce qu'il y a d'abord une nationalité. Sud-africain, Balingi était en Afrique du Sud, ou Azakuna Lelo, ambassadeur Félix Tshisekedi en Afrique du Sud. Babi Kembiselele a Zobima, pour la récompense, Félix Tshisekedi a récompensé, atteint l'ambassadeur en Afrique du Sud. Babi Moussou a dit, ah, Béni Félix a humilié sous Soubisso. Moussou de Salim Moussala, Boye, Tokangi, Banini, tout ça, a l'ingatine sous ambassadeur en Afrique du Sud, comment? Paf! Babi Moussou a vidéo, pour la casser politiquement, atteint la Soukounil. On a première version, il y a un demi yap, na mbelu ba so kota na kati pour na badoshi wana. Les deuxième version li meli biso. Mais les deuxième version li meli biso, on nous dit que Fortuna Bisselele n'avait pas que 3 vidéos au biso to monaki. Il en avait plus de 58 sur 54 comme ça. Oyo ezali na possession na. Et plus de 38 vidéos oyo Fortuna Bisselele za nango. Il y a des femmes de ministres, il y a des femmes de députés, il y a des hauts cadres, il y a Nini. Même soupçons Ali, na Katia présidence, Denis Nyakeru, abandonné Robimana Fortuna Bisselele. Je vous lis d'abord un tweet ici, rapidement. Malobine Bissoboué. Awange, donc Yankeko. Le before Fortuna Bisselele a négocié et a obtenu sa liberté contre l'arrêt de diffusion de vidéos sextape qui touche les grandes dames autorités dans l'institution de ce pays jusqu'à même au sommet de l'État. Tu t'y as moins besoin comme on a. Fortuna Bisselele, peuple congolais, azali na ba image ya ba sextape, même ya Denis Nyakeru azali na kati. D'ailleurs, il y a un moment. Le prof Siakudia de l'Angleterre a émis sa cabisso Makamboy. Boyo kanam audio ya professeur Siakudia. Ah, Denis Nyakeru na Félix na Bisselele Fortuna oyo bakangi. C'est vrai Bisselele la sali makambo mususu oyo peuple congolais ayebi ya koloba makambo na bango ndenge bakendeki kote kabiso. Mais le problème est mon aîné, Oyo Maman Marthe, na moi na yechilo mbaza ko bombele biso, ezali ke Bisselele azali mubali,
y a Denise Nyakero. Basala makambo ebele na Denise Bisele lena Denise Nyakero. Donc réunion munene salamaki et pas ya maman Marthe kuna. Yo Christian oyebi olingaki okende ko panza biloko ya Denise Nandako. Vous devez protéger Félix Tshilombo. Maman Marthe, vous devez protéger Félix Tshilombo. Bolungula Denise Nyakero, ndenga bolunguli biselele, bolungula pe Denise Nyakero nandako ya Tshilombo. Tolingite Tshilombo ya kukufa, ngai naza tata ya Tshilombo. Politique ezali problème mususu. Awa tuza kuro makambo ya famille, Tshilombo akendaki na Mbujimayi, bolobaki ye, akeko zikaka kotala ka biloko la nini. Akende kotala ba chef kutume kuna. Pour bakende kosolo la makambo ya Kindumba ya Denise Nyakero na Bisele Fortuna. Kaka Bisele le voilà, je crois Bolandi prof Chakudia, il vous a dit que Bisele sortait avec Denise Nyakero. Abima na ye ma vidéo ezali. Et parmi ma vidéo oyo Fortuna Bisele la linga bimisa ce qui était, c'est que je suis à Denise Nyakero. Quelle est la seconde qui a Denise Nyakero? Quelle honte! Dans la bêtise 3, et là, vous comprenez ce que la deuxième version de ma musique a dit. Quand vous avez la bêtise 3 vidéos, vous avez dit panique et continue la présidence. Vous avez dit que vous donc, c'est là qu'on peut comprendre que c'est Bissele lui-même en personne qui a lancé ces vidéos. Pourquoi je l'ai dit? Parce que après ma sortie à vidéo, on a, directement tout le monde a, l'avocat de Fortuna Bisselele écrit encore à la présidence de la République pour demander la liberté provisoire. Il y a client qui a une observation de santé dans Libanda. Oh, comment se fait-il? Moutou a eu kanga, ou bien peut-être Moutou, si va kanga. Diffusion. Oh, comment après que la vidéo est comme c'est l'avocat de Fortuna Bisselele. Alors c'est la liberté. C'est là où c'est louche. Et je me suis dit, c'est que mon tabou qui est là. Et c'est ça que ils ont confirmé dans tout Oyo. En Wange, le before Fortuna Bisselele a négocié et a obtenu sa liberté contre l'arrêt de diffusion de vidéos sextape qui touche les grandes dames autorités dans les institutions de ce pays, jusque même au sommet de l'État. Ça veut dire que Fortuna Bisselele a dit bon, dans un souvenir choisi, qu'advienne que pourra, soit le bon mangaï, soit la MBC ma vidéo n'a pas en ezali. Ce qui veut dire, soit Fortuna Bisselele n'a pas de vidéo sur place à Kinshasa, donc ma vidéo, c'est que ça, Kinda n'a pas à battre dans Libanda. Batunae à Fortuna Bisselele, Bazan à Bamboka, Moussous, tu es habité, ma pays n'est pas allé, ma vidéo n'a pas à la Kuna dans Libanda. Donc les noms même sont bloqués par Fortuna Bisselele, vous n'allez pas trouver ces vidéos. La vidéo là, toi, Bimisa, on est déjà Libanda. Alors, tant que Monique, parce qu'on a repris sa liberté, Abiso, on a repris sa liberté, pendant la Xabino déjà, que Nazan a un mot, trois vidéos, Bimi. Je suis, donc, je m'en fous. Bah, toi, mon anga, ite, je m'en fous. Nazan la Xabino, que j'en ai, à boire qui trois vidéos. Panique, je suis dit, ah, alors, bon, je suis dit, kata, mais si je suis landaté, pour les alliés belés, na sengi bino bo libéré ngai. Nde bo yoki avocat na ya sengi liberté. Aussitôt l'avocat a demandé, aussitôt on a accordé à Fortuna Bisselele aussi la liberté. Ça veut dire quoi? Moutou, bo kanga ki pona makambo alinga bo ma président. Moutou ayé ko sala babilo ko ba sex tap. O lié ko tout bo ba ki sa infraction li kolon na ye, directement bo libéré. Qui veut dire, cela cache quelque chose. Ça s'est confirmé, même la première dame, soi-disant la première dame Denise Nyakero, Azali Naba Vidéo, il y a sexe tape, comme dit le prof Chakudia, avec Denise Nyakero, Abimanaye. Fortuna Bisselele, Abimana Denise Nyakero. Ma moni maintenant que moto Zakoya, pour en finir en paix, pour la vidéo, nous sommes bimaté. Liberté pour signer héroïne. Mais pas ça, ma vidéo. Parce que s'ils avaient cette vidéo, ou la demi-heure avait cette vidéo, ah, ben, 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 ben,
Donc Fortuna Bisserel a pris les soins de c'est-à-dire de fuiter de Yorokim Sabilo qu'on a à Libanda. Et ma vidéo, je vous dis, je vous rassure, et ça n'a qu'on goûté. Boko Luka, ma proche, tout à Bisselele, Moutazan, la vidéo, ma vidéo, c'est Bimi Libanda Congo. Bazanango. Donc, c'est-à-dire, ce qui est pendé, Zara Aboué, ce qui le roi, c'est un bango à Bima Congo, ce qui est Bimi Siete, pour moi, la moussouche, c'est Bima Souche. Talam Bouzo, oh, il y a la présidence de la République. Talam Bouzo, il y a la présidence de la République, peuple congolais. Dans le deuxième tweet, oh, bonjour, mon awa. Urgent, Fortuna Bisselele, ex-conseiller de Chine de Félix Tshisekedi, obtient une liberté provisoire. En attendant sa libération, quelques formalités sont en cours d'être faites afin qu'il passe nuit dans sa résidence. Abiminae. Abiminae. Mawatro. Mawatro. Kibundumba. Bosalité. Et le kit somorakata présidence de la République. Boyo kalusu sous vidéo, ton audio, il y a prof Chakoudia awa. Yo, vous allez m'en si à Moutou. Moutouana veut tuer ton mari qui est président de la République. Si vous avez bougé, le service union sur la sécurité pour vous libérer rapidement. Ça veut dire que vous avez m'en si quand je parle ici, Denise Nyakero est en train de faire tout. Elle bouge tous les services de sécurité et les services sont fâchés. C'est un message que j'ai reçu des services. Le service est très fâché. Contre geste d'ailleurs, il y a quoi bisa. C'est un système non sur la justice. Dans le système sécuritaire qu'il faut que Bissel ait l'abîme. Cope n'a pas besoin de la cope nini. Cope y'a Bissel et n'a Denise Nyakero et Zalaka nini. Parce qu'elle est en train de se poumoner. Abîme sa Bissel et n'a bouloko. Par tous les moyens. Bissel doit sortir. Yo moutou, alinga bouma moubali na yo, chef de l'État. Bozaki kosala na ye makambu oyo bisoto si tolobi. Si ko yo zako confirme ke, effectivement, oza mwa si na ye. Bien, vous pouvez vous en abakop na bino. Parce que au moment où je parle ici, Denise Nyakero est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour que Bissel ne sorte de prison. Mais en quelle qualité? Et pour quelle raison? Quand si pour nous salons la débâche, on a pour la kabounde te. Kabounde de moto, à salatou, à pesa moubali na yo pouvoir, à partir de la UDPS. Bah, ça là, bah, réunion à boutou, boutou. Bah, comme il s'appelait, tu l'ombo, président, il y a UDPS, pour apprendre la boucouse. C'est kabounde. Kabounde de moto, à simbaki moubali na yo. Mais, démarche à kabounde au salakate, aux akosale à Bisselele. Bissel laisse l'antenne de Gagame dans la maison du président de la République avec toi, Nyakero, Denise. Donc, Bino, vous êtes contre l'intérêt du Congo. Et quand je parle comme ça, je vois même mes frères Kassayens qui viennent pour m'insulter. Bino, beaucoup moins de bien béatil au Mikolo. Bissel est là, il y a un boulot. Beaucoup moins de bien béatil au Mikolo. Voilà, je crois que c'est le prof Siakoudia. Et mon souci, c'est que je suis un pasteur. Boukanga Lonzo. Je suis un pasteur qui a été Boukanga Lonzo, surtout dans l'Iwaya, Chéribé, Okende. Je suis un Canadien. Je suis un Boukanga Lonzo, un Canadien. Canadien, Congolais, un associé, un Bango, un Mindele. Boma, Masango. Et puis, et comme Bilanga, un Diamba. Donc, ma bique, Boukanga Lonzo, tout bazar en Congo, ce bouquet kuna, ba Canadien, ba koma kosa la Diamba, na Boukanga Lonzo, yango na moni chéribin, a dénoncé qui yango, et tino, ba ebi, ah, moto ya royal, ba makam moussou, yango na ba eko boumaye. Et puis, ba eko rappelé nga aussi, parce que je parlais hier de la nomination de Barbara Kanam, ou la commissaire, c'était à cause de quoi? On me dit que Barbara Kanam est aujourd'hui, n'est-ce pas, la copine de John Tshibangu. Alors il paraît que John Tshibangu même ta sombele qui est soka Julia qui est ndako foot la na KGB na pembeni ya la mère Mende. D'ailleurs moi si moko ya John Tshibangu afinga qui est na Facebook. D'ailleurs moi si moko ya John Tshibangu amega ko finga ye Barbara Kanam na Facebook. Donc il paraît kaza makango ya John Tshibangu na moni ba PC fonctionne na gouvernement
ya Félix Tshisekedi po kibundumba na bosalité eza kosala makuna ya kosakana te ya grave. Merci beaucoup peuple congolais. Je crois l'essentiel qu'on avait à partager avec vous, il y a moto partager na bino et je crois que j'ai touché presque ma point tout ezala ki capital na kati ya vidéo oyo. Tokute na bino prochainement. Ciao.